Étudiants, travailleurs, hommes d'affaires et chercheurs d'emploi, méfiez-vous de l'arnaque. En vrai? Voilà. La famille, j'espère que vous allez bien. La journée s'est bien passée, j'espère également. Vous savez, quand il y a du nouveau comme ça, on prend un peu du champagne. Mais oui, c'est clair. du champagne. C'est même qu'un champagne. Champagne au jus naturel. C'est la magie. C'est la magie. Voilà la famille. Je suis là ce soir déjà pour vous dire merci. Merci infiniment. Parce que quand il y a un plus comme ça, il faut d'abord remercier les fans. Ça c'est clair. Je dis merci également à Immigration Efficace Canadien. Canada. Immigration Efficace Canada. Voilà, beaucoup vont se poser la question, c'est quoi Immigration Efficace Canada? C'est quoi? Avant de vous expliquer, je vais vous conter une petite histoire. Parlons-en. Vous savez comment j'entre en contact avec Immigration Canada? Jamais. En fait, je ne savais pas qu'il y avait beaucoup de personnes qui me suivaient à l'ombre. Qui? C'est-à-dire que quand on dit suivre à l'ombre, ça veut dire les gens qui te suivent sans toutefois manifester, sans toutefois venir et raconter des histoires en commentaire. Alors le monsieur me contacte d'abord, il me sonde. Ah bon? Il me fait d'abord une proposition, un genre. Je lui dis, monsieur, voilà comment moi je fonctionne. Voilà comment je fonctionne. Il me dit, non, c'était juste un piège que je tendais, Franco. C'est pas vrai. C'est vrai. En fait, je te suis depuis plus d'un an. Depuis presque un an. Et même ton dernier contrat, tu avais refusé dernièrement. Où tu as dit que non, tu ne veux pas ce genre de truc. J'ai beaucoup apprécié, mais je doutais toujours. J'ai pris le temps de t'étudier parce que nous-mêmes, nous sommes prudents et nous ne faisons pas du n'importe quoi. On se rassure vraiment qu'une personne est bien avant de s'engager avec cette personne. Donc, j'ai pris du temps à t'étudier, Franco, et c'était juste un dernier piège que je te tendais. Et j'ai compris qu'effectivement, tu es une personne bien. Autre chose qui m'a marqué sur toi, la formation que tu as lancée pour aider tes propres frères. J'ai compris que tu ne veux pas seulement évoluer pour, seul, mais tu tends aussi la main à ceux qui sont en bas. Bravo. Oh, je veux aussi dire que je suis en haut, hein, mais je suis en train d'aller en haut. Mais vraiment? Grâce à vous et grâce à Dieu également. Oui. Donc aujourd'hui, donc, j'ai signé un contrat avec l'entreprise Immigration Efficace Canada. Voilà, vous savez, il y a tellement de jeunes qu'on a arnaqué dehors, les jeunes qui veulent voyager. Qui veut aller au Canada. On a tellement arnaqué les gars dehors, au point où beaucoup même se sont même découragés. Et d'autres sont même encore sous le choc. Et là, dis bon, Franco, dis-moi ce que tu peux faire vraiment pour moi, pour nous, afin qu'on essaye de baisser l'arnaque qui circule partout dehors là. Il y a des grands, bon, la seule chose qu'on peut faire, c'est de s'engager. Et je communique sur votre structure. Je rappelle d'abord que le monsieur au Canada, on communiquait sur WhatsApp. Bon, on s'est accordé. Après, il lui a dit non. Quelle est la preuve que ce que vous me dites là est vrai? Et bien non, nous sommes basés à Douala, nous sommes basés à Yaoundé, il y a aussi une base ici au Canada. Et dit, est-ce que je peux me rendre donc sur les lieux? Est-ce que je peux me rendre dans l'un de vos bureaux? Bon, peut-être ici à Yaoundé, vous êtes situé où? Il me dit non, va à la pharmacie de l'EMIA, nous sommes à l'étage. Voilà, donc je suis allé là-bas donc aujourd'hui, comme vous avez vu sur les photos effectivement, j'ai confirmé. Ils sont réellement basés, la maison mouvement, un siège là-bas parce que moi je vais pas demander aux gens je vais pas demander de contacter des personnes qu'on ne voit pas, qui n'ont pas de base, qui n'ont même pas de matricule, qui n'ont même que l'État ne les reconnaît même pas. Je sais beaucoup d'entreprises comme ça, s'ils devaient communiquer sur les trucs cachés là, c'est que j'ai tellement de pubs. Mais quand quelqu'un me contacte, je me rassure si la structure est légale. Tant tu commences déjà à faire comme ça, je ne suis plus avec toi. Oui, donc je suis allé aujourd'hui. J'étais dans leur bureau. J'ai échangé avec le directeur de la structure de Yaoundé, du cabinet de Yaoundé. On a beaucoup causé, il m'a parlé de leur structure, de ce qu'ils offrent aux jeunes. Donc, pour tous ceux qui ont des problèmes de voyage et tout, vous pouvez contacter les numéros qui s'affichent au bas de l'écran là pour avoir toutes les informations, toutes les questions que vous allez poser sont disponibles, on vous répond. Ils peuvent vous demander de venir directement au siège
ils vont vous répondre. Donc, ils sont spécialisés dans plusieurs services. Je vais citer parce que je n'ai pas ça en tête, j'ai ça dans le téléphone ici. Demande de visa pour touristes, hommes d'affaires, travailleurs qualifiés ou peu qualifiés, étudiants, gardiennes d'enfants. Ils sont aussi spécialisés dans l'assistance dans la recherche bourse d'études. Dans la recherche de bourse d'études. Représentation dans la procédure de demande de visa. Demande de renouvellement de statut au Canada. Recherche d'offres d'emploi au Canada. Je sais que beaucoup sollicitent ce service-ci. Demande d'asile au Canada. Donc, les gars, ne vous laissez plus baigner. Attendez un peu, je prends un peu le champagne. Voilà, c'est l'énergie. Prends un peu l'énergie. Donc, les gars, ne vous laissez plus baigner. Allez directement. Si vous êtes à Douala, vous allez à Douala. Ils sont situés à l'immeuble. Le meuble qui est situé à l'ancienne mairie Douala, 5e ou 4e, au 4e niveau. Porte 402. Ils sont situés. Il y a les contacts de Douala en bas là-bas de l'écran. À Yaoundé, ils sont situés au-dessus de la pharmacie Emia, 2e étage. Entrée collège polyvalent de Mélène. Ils sont situés à Yaoundé. Maintenant au Canada, à Montréal, plus précisément. Bon, on donne la rue, je ne sais pas si c'est la rue. 481 à Van Homme Suite. 201 Montréal. Je ne sais pas trop si c'est comme ça qu'on prononce ça. Donc, il y a également leur contact. QCH3WNJ1. Il y a entre parenthèses là. Bon, je vais mettre la fiche là, vous avez pu lire tout ce qui est écrit là. Donc les gars, ne vous laissez plus arnaquer. Je faisais cette vidéo surtout pour sensibiliser tous les jeunes qu'on est en train d'arnaquer dans la rue. Que non, il va te faire voyager, il va te faire aller travailler au Canada, il va te faire ça. Méfiez-vous. Voilà Franco qui vous dit que voilà l'agence qui est fiable. Si on frappe, il vient pleurer après sur les réseaux sociaux, comme vous voyez partout sur les réseaux sociaux là, c'est votre problème, c'est que vous-même vous avez accepté qu'on vous frappe. Donc allez prendre toutes les informations là-bas. Il y a quelqu'un qui est chargé pour ça, pour vous recevoir. Vous arrivez, tous un n'importe quelle question que vous posez, on va vous répondre. Vous avez compris? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oh, je bois le champagne. La vie est belle. Champagne en jus naturel. Les vannes, on est ensemble. Étudiants, travailleurs, hommes d'affaires et chercheurs d'emploi, méfiez-vous de l'arnaque. Pour toutes vos procédures de demande de visa pour le Canada, faites affaire avec une entreprise reconnue par le gouvernement canadien. Grâce à Immigration Efficace Canada, votre demande de visa pour le Canada est montée avec un maximum de professionnalisme. Notre équipe expérimentée, chapeautée par un consultant réglementé en immigration canadienne, membre du CRCIC, vous offre aussi un accompagnement personnalisé à votre arrivée au Canada. Comme cerise sur le gâteau, le bureau central de Montréal est disponible pour vous accompagner dans la recherche de bourses d'études dans votre demande d'asile au Canada. À Douala Bépanda Monaco, nous sommes situés en face du collège du centre, téléphone 696 84 37 60. À Bonamoussadi, notre bureau est situé tout près de l'ancienne mairie de Douala 5e, 4e étage, porte 402, téléphone 659 38 29 75. À Yaoundé, Immigration Efficace Canada est situé au-dessus de la pharmacie Emia, entrée polytechnique à Mélène, téléphone 650 64 47 90. À Kinshasa en RDC, rendez-vous au 33 boulevard du 30 juin, immeuble Sabena, en plein cœur de la capitale. Téléphone 243 904 212 540. À Montréal au Canada, retrouvez-nous au 4781 avenue Van Horn, bureau 201, tout juste à la sortie du métro Plamondon. Téléphone 001 438 797 82 82. N'oubliez pas nos représentations d'Abidjan, Djamena et Brazzaville. Rendez-vous au www.immigrationefficacement.com pour plus d'informations. Immigration Efficace Canada, votre immigration, notre expertise.